Argenteuil a énormément d'atouts. Notre ville s'enfonce dans la saleté et le cadre de vie des habitants se dégrade continuellement sans qu'aucune solution ne soit apportée. En quelques mots, c'est plutôt sale. Rien que regarder le sol, je veux dire, il y a des chewing-gums partout, voilà quoi. Donc les déchets, des fois c'est à 2 mètres des poubelles. Un peu sale. La propreté, vraiment sale en fait. Que pensez-vous de la propreté dans la ville d'Argenteuil? Moi, de toute façon, le trajet que je fais le plus, c'est de la gare à ici. Voilà, en plus, c'est un endroit où c'est plein de commerce. Ça devrait être un peu plus propre. Je pense pas que les gens aiment vivre dans la saleté. Hein. Je sais pas, vers l'hôpital? Non. Je dirais Joliot. Ça va pas du tout. Il y a des poubelles par terre, il y a des papiers par terre, des canettes, ça va pas du tout. Et que le service propreté, ils soient un peu plus actifs là-bas, parce qu'on dirait qu'ils passent jamais, en fait. On dirait qu'ils vont là-bas, ils ferment les yeux, ils passent comme ça. Oh, on n'y est pas du tout, hein. On n'est pas du tout, des fois j'arrive le matin, il y a des poubelles partout, c'est un peu sale. J'avoue que ça manque de propreté. Ouais. Une fois élus, nous mettrons toutes nos forces à décrasser notre ville et à stopper le bétonnage d'Argenteuil. Nous lancerons la reconquête des berges de Seine pour mettre en valeur notre patrimoine. Les impressionnistes, la basilique, la Sainte Unique sont autant d'atouts que notre territoire ne met pas en valeur. Plus encore, ces symboles de l'histoire et de l'identité de notre ville peuvent générer des emplois, du tourisme et améliorer l'image d'Argenteuil. Enfin, nos parcs, nos espaces verts doivent être aménagés et entretenus de manière intelligente. Nous allons créer des lieux de vie qui respectent l'environnement pour que les Argenteuillais aient une ville plus belle. Le cadre de vie et sa préservation sont essentiels pour que chacun retrouve la fierté d'être Argenteuillais. Vive Argenteuil !